ça après. Ah oui mon gars, parce que c'est... on va se galérer dans les trucs. De toute façon, une fois qu'on est sur le périph', on roule tranquille. Bon, même là, on roule tranquille. Hein. Là, de toute façon, si on est tous alignés... Ouais. On est quatre voies ou... Non, tous alignés, comme ça, on est tranquille. Deux voies, ma... C'est que dans le 320 vidéos, on fait tous des rôles sur le périph'. Ouais. On fait comme ça, vous suivez les motos, vous suivez... C'est stylé. Donc voilà, pour finir le petit road trip, on a fini au château de Vincennes. Donc, je sais pas si vous voyez, avec les lumières c'est compliqué. On s'est permis d'ouvrir cette petite grille et finalement bah voilà, on s'est mis là, on va se poser tranquillement. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, bah on est de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Une vidéo pour nous. Le début de la vidéo, c'est on est parti, mais on doit repartir parce qu'en fait, on est parti récupérer les pneus, mais on n'a pas pris les jantes, donc ça va être compliqué de monter les pneus sur rien. On est bon, on est très bon. Vous êtes bon, on est très bon. N'importe quoi. Bah, ça, la seule galère, c'est qu'on me propose, donc je choisis mon endroit pour mettre mes pneus, j'arrête de les mettre. Je dis, c'est bien, tu veux monter mes pneus? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, déjà, je lui laisse 15 jours là-bas. J'arrive là-bas, il me dit, bah, il n'est pas là, c'est un autre mec qui va tenir. Okay. Le mec il prend les pneus, il regarde, il fait c'est de la merde. Donc voilà, on s'est mis devant le petit château de Vincennes. Donc autant vous dire que c'est mon château ce soir. Voilà. J'ai décidé de citer mon château, donc c'est mon château. Oh, dja. Qu'est-ce que tu racontes encore toi? Ouais, tu fais encore ta comédie? Elle est nickel, hein. Celle-là elle vient pas d'Angleterre, hein, ça se voit. Hein. Y a pas de rouille, hein. C'est ça, mon gars. Tout le monde a respecté. On va essayer de refaire un autre road trip, mais autour de la forêt de Compiègne. Un road trip de 100 bornes à peu près. Pour merci, c'était vraiment top. Vous revenez quand vous voulez, très prudemment. Attention, ça marche. Et vous mettez sur l'événement qu'est-ce que vous avez pensé, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Moi j'ai trouvé que c'était bien organisé, parce que même quand on s'est perdu, on nous a attendu. C'est cool. Ouais. C'est cool. Et pourtant t'as vu, on était 2-3 quoi. Il y avait DJ, moi et Jenny quoi, en gros. Et Marco. Non mais si vous voulez, si vous êtes vraiment chaud, soit barbecue, soit on essaye de se trouver, je sais pas, une petite brasserie ou un resto pas trop cher. Ouais, on va débarquer à 25 dans une brasserie. Bonjour, on est 50. Vous avez besoin, nous on a les contacts, bah, tout ce qui est ligne d'échappement. Voilà. Même si, je sais pas, vous avez un projet, tout ça, parlez-moi-en. Envoyez-moi un petit message. On commence à avoir pas mal de contacts depuis 2013 là. Donc ça commence à bien marcher. Merci à vous. Et puis, merci. On se tient au courant, on s'appelle. On rentre ensemble? Ouais, on se tient au courant. Ouais. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour, pour avoir toutes les infos. Qu'est-ce qui se passe? Une veilleuse. Ah, et tu démontes ça là, toi? Comme ça, tu... Voilà, tout à fait normal, quoi. Propre. D'accord, génial. Tout à fait normal. Du PSR Live. Du PSR TV, du PSR tout ce que tu veux.